Le temps passe. Les souvenirs refont surface. Je m'appelle Paul Dumas. J'ai 77 ans. Vendredi 19 mai 1954. Je suis en vacances avec papa et maman. On est en Bretagne, dans la maison aux briques jaunes, comme l'année dernière. Il fait beau, ça change de d'habitude. Mais la mer est trop froide. Je n'ai même pas pu me baigner. Et en plus, j'ai cassé mon vélo. C'était le premier. Ah. Barcelone. 13 août 1959, c'était ma première colonie de vacances et c'était la première fois que je partais sans mes parents. Tous les soirs, au lieu de dormir, on se raconte tout un tas d'histoires terrifiantes avec mes copains. Les surveillants viennent toujours nous râler dessus. On fait trop de bruit, paraît-il. Demain, on part faire de l'escalade. Porto, je n'avais alors que 20 ans. Je suis en vacances avec ma bande de potes dans une villa incroyable. Elle était vraiment incroyable. On n'arrête pas de sortir. Hier, Jacques est rentré complètement bourré. Ça ne changeait pas d'habitude. Heureusement, nous sommes un petit peu plus sages. À Los Angeles. Septembre 1975, j'avais 31 ans. C'est mon premier voyage seul. Sunset Boulevard, Bel Air, Beverly Hills. Et puis, j'ai rencontré cette femme. Elle s'appelait Caroline. Je la revois. Son visage dans cette lumière qui brûlait notre peau. Son sourire discret et chaleureux. Ses jambes élancées qui couraient sur le sable fin. Ah, Caroline. Bangkok. Février 1980, je venais de me marier avec Odette. On était partis à l'improviste, une envie soudaine. La ville est cosmopolite et accueillante, on s'y sent bien. Atid, ce jeune homme si accueillant qui nous fait visiter un tas de temples et découvrir le quartier riche de la ville, le Wat Sake. Ce temple doré au milieu de cette montagne blanche, c'était vraiment magnifique. Paris, juin 1989, toujours avec Odette. Le splendide paysage, la mer d'un bleu cristallin, la ville et son architecture pittoresque, les ruelles étroites du port qui se croisent les unes avec les autres, tout était merveilleux avec elle. Menton. Oui. C'était en 2010. Je n'avais pas eu la force d'aller plus loin que Menton. Odette, tu n'étais déjà plus là. La maladie t'avait emporté. Ce n'est plus pareil sans toi. Thank you.
Là, à gauche, je vois un homme et une femme marcher, enlacés. Ils sont deux. Ils ont l'air heureux. Ils ont l'air d'avoir trouvé. Trouvé cette joie qui les fait avancer. Au centre, je vois deux enfants. Une petite fille et un petit garçon. Le frère, la sœur. Ça se voit dans leur regard. Une vraie complicité. Je suis seule. J'ai de la famille, des amis, des collègues. Ils sont là, juste à côté de moi. Tellement proches que j'entends leur souffle résonner dans ma tête, en écho au bruit perçant de ces locomotives à vapeur. Au souffle qui laisse sur son passage un nuage noir. Un nuage si épais qui nous empêche de voir, d'entendre. Un nuage qui asphyxie. Tellement proches que j'entends le bruit de leurs crayons griffés. Ces feuilles d'un rythme régulier. Au passage répété qui crée une frontière si noire et si lourde qui nous empêche d'échanger. Un crissement. Important qui nous empêche d'écouter. À la manière de ces trains sur ses rails, laisse sur son chemin compact des pierrailles et des cendres. Ceci est le train de la vie, ma vie, nos vies. Pas un regard, pas une parole. Nous sommes tellement proches et tellement loin. Je t'ai offert mon cœur, tu l'as épuisé, vidé, brisé. Je t'ai cherché à l'aube de mes 50 ans. Je suis fatiguée, perdue. Plus j'avance, plus j'ai l'impression de reculer, de voir les secondes se décompter. Aujourd'hui, j'ai l'impression de subir. Subir qui? Subir quoi? Subir le fardeau de l'indifférence. Subir cette solitude qui m'anéantit et qui m'éteint. Le temps qui passe, dit-on, efface les blessures. J'ai attendu des jours, des semaines, des mois, des années, 30 années interminables, pour rien. Ces pensées qui me traversent, mais d'à quoi? Je ne sais pas, mais j'y crois. Le numéro 374. Dans ce monde si noir et si triste, il faut avancer. Affronter le froid glacial des autres. Je les hais. Je hais leurs habitudes, leurs sentiments, leur détachement, leur indépendance. Tous ces gens qui, comme moi, font semblant. Pourquoi? Pour qui? Qui le sait? Abandonné, je le suis. Je me retrouve devant cette fenêtre. Je suis comme vidée. Il me semble que je n'ai plus rien. Le temps m'a tout volé.
Agent 520-670. Ma couverture était Tabakov Ivana. Maria Tabakov Vladimir. Nous étions envoyés au festival de musique à Vienne pour surveiller une clavecinistre russe. Oui, qui joue du clavecin. Elle était suspectée d'aider les Américains. Dans un petit parc, une fois que la nuit tombait, sous la lueur des lampadaires, la musicienne commençait à jouer. Elle était présente tous les soirs pour jouer la même musique. Une musique très joyeuse. Plusieurs semaines de concert, nous ne comprenions pas pourquoi il fallait la surveiller. Alors on commençait à s'approcher, de plus en plus. Oui, après 4 mois de mission, rien. Il s'agissait d'une musicienne russe, tout simplement. Pour fêter cela, Vladimir et moi avons décidé de danser le soir même, sur cette air de clavecin. La musique commença, Vladimir prit ma main, puis nous nous mettions à danser tellement que nous oublions que nous étions en mission. On s'échangea quelques phrases en russe. Soudain, la musicienne joua un nouvel air, jamais entendu. Arrêtons net pour la regarder et comprendre ce changement soudain. À peine nous nous retournons que nous voyons des hommes nous courir dessus. Vladimir me dit de courir pour m'enfuir. J'ai pu m'enfuir, puis je suis allée à la planque. Je me suis cachée. J'ai commencé à patienter. Au bout d'une heure à peu près, j'ai entendu des voix aux alentours. Il n'y avait personne au beau milieu de la nuit. J'ai regardé par un petit espace donnant sur la rue. Il n'y avait personne. Je n'entendais plus rien. Quand soudain,
J'ai entendu Vladimir. Il était là. On allait être sauvés tous les deux. Je l'attendais. J'étais prête à l'ouvrir. Puis, il s'empressa de me parler. Sa voix était étrange. Il me dit « Non, non, non. Au revoir, Ivana. » Puis, un coup de feu a retenti.
c'est moi, pensa-t-il, alors qu'il poussait la lourde porte des bureaux. La puanteur de la ville assaillit ses narines. Il plissa les yeux pour réduire au maximum son champ de vision et permettre à ses pupilles d'en voir le moins possible. L'air était lourd ce jour-là, et ça rendait tout moite et dégueulasse. Il faisait trop chaud, et la sécheresse absorbait toute son énergie. Il espérait ne croiser personne qu'il connaissait. Il n'avait vraiment, mais vraiment pas envie qu'on vienne le faire chier. Le col de sa chemise l'étouffait. Il suffoquait, tant la chaleur était palpable entre les immondes immeubles du quartier des affaires. L'homme sortait du travail. Toutes les obligations que l'on déversait sur ses épaules ces derniers temps le rendaient dingue. Et la semaine venait à peine de commencer. Il poussa un profond soupir tout en accélérant le pas. Plus vite il oubliait, plus vite il rentrait. Certains se seraient allumé une clope, mais lui, il attrapa celui qui allait le libérer de tous ses maux, l'objet de convoitise au fond de son vieux sac. Une seconde passa, puis deux, et il plongea. Les premières minutes étaient longues et incertaines. Difficilement, il naviguait entre deux mondes. Ses sens n'étaient pas encore éteints, et il percevait toujours l'irritant mouvement de l'environnement autour de lui. Certains le dévisageaient, et il hésita un instant à leur faire sa plus belle grimace. « Regarde ailleurs, connard !» Il respirait, se détendait. Il savait que le décollage commençait, et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Alors doucement, il s'éleva au-dessus des autres, toujours plus haut, attaché à la volonté indestructible de poursuivre ce voyage. L'air frais glissa dans ses cheveux. Les chaînes qui formaient le lien puissant entre ce qu'il voulait et ce qu'il vivait. Il faisait naître en lui le récit multicolore d'une aventure bien plus belle, plus remarquable et plus lumineuse que sa propre existence. Les pensées parasites qui attaquaient son esprit s'évaporèrent, et soudain, ce fut comme s'il était transporté sur le bateau volant de Peter Pan dans l'humide réconfort des nuages. Par projection, il devient le héros dont la vie ne serait pas oubliée. Accompagné d'autres personnages, il vivait des aventures extraordinaires. Il suivait un lapin blanc drôlement vêtu, puis discutait avec un gentilhomme d'une autre époque, tout en chevauchant une créature de légende. Il n'y avait aucune limite. Et à mille lieues de son quotidien moisi, il se demandait comment un objet si simple pouvait-il lui procurer autant d'émotions? Il y avait fallu du temps pour trouver son remède aux malheurs du quotidien. Cet objet, il l'avait longtemps dénigré, et parfois même détesté. Mais aujourd'hui, son seul regret était de ne pas avoir compris plus tôt que chacun pouvait l'aimer à sa manière. Il avait le pouvoir de vous faire tout oublier. Il avait le pouvoir de vous faire voyager. Il avait le pouvoir de briser le lien qui nous lie au réel. Les minutes s'écoulaient. Et il ne voulait quitter cet état pour rien de bon. Mais brusquement, il percuta une gamine et la réalité lui revient de plein fouet.
lorsqu'il constata son air mécontent. Et alors que les images merveilleuses disparaissaient, une profonde frustration le poussa à dire « Laissez-moi, je ne veux que lire !» Il y avait d'abord une enfant, deux petites nattes et une robe à fleurs. Des petites chaussures parmi les grandes. Accompagnée d'un ballon rond, elle s'en allait jouer, longer la route, s'amuser à compter les bâtiments. D'un bout de la rue à l'autre, elle y était. Les chaussures usées, les cheveux emmêlés et les mains trempées, mais elle avait un visage souriant. D'une enfant aînée, une adolescente. Au temps des premiers amours, elle les ignorait. Au temps des coiffes irréprochables, elle s'en moquait. Au temps des jolies robes, elle se contentait de simples habits. Les bruits éreintants de la ville épuisaient, les halls de gare sombres, gigantesques, lugubres. Les machines à vapeur, la fumée. Elle se plaisait dans les cafés discrets, dans les jardins des maisons abandonnées et dans les parcs isolés. Sa manière de vivre était si différente qu'on avait commencé à la regarder. Quand elle retroussait ses manches à la manière d'un homme, on la pointait du doigt. Quand on voyait ses habits abîmés, on la dévisageait. Quand elle passait recouverte de sueur et de poussière, on s'écartait. Chaque jour, sa présence pesait. Elle pesait aux hommes qui a trouvé laide. Elle pesait aux femmes qui a trouvé discourtoise. Elle pesait aux enfants qui a trouvé étrange. Si bien que désormais, dès qu'elle passait, on chuchotait, on l'épiait, on s'esclaffait. Quand elle passait, les garçons la bousculaient. Quand elle passait, les filles gloussaient. Et tous ces regards, elle les sentait. Jour après jour, c'était toujours ce brouhaha sans fin. Mais depuis le début, c'était eux qui se trompaient, eux qui cherchaient à se mettre dans des cases, eux qui cherchaient à tous se ressembler. Alors, quand elle devint une femme, elle chercha la liberté. La liberté d'être libre de ses jugements, de ses regards. La liberté d'être elle-même. Mais sans un sou, elle erra durant de longues années. De longues années passées à arpenter chaque recoin de cette ville, de ces parcs, de ces bâtiments. Finalement, à vouloir trouver la liberté,
elle s'était faite prisonnière elle-même. Et elle continua d'errer. D'errer, mais pour trouver quoi? Comment? Elle ne savait plus. Elle ne l'avait peut-être même jamais su. Mais c'est ce jour-là qu'elle le vit. Là, là-haut dans le ciel. C'était si beau, paisible. Ça ondulait au gré du vent, suivant sa propre route. Et c'est là qu'elle comprit. Elle comprit que sa liberté se trouvait plus haut, que tout un monde nouveau s'ouvrait à elle. « Je veux voler !» dit-elle. Mais cela lui prit de longues années de travail d'acharnement, pour en arriver au jour où tout allait devenir possible. Ce jour où elle allait enfin trouver sa liberté. Elle avait grimpé tout en haut d'un gratte-ciel, elle y était. Mais la vue de la ville en bas l'effrayait, les bâtiments étaient serrés, les bruits éreintants de la ville étaient toujours là. Ce n'était pas ce qu'elle croyait. Le vide était juste devant elle. Il n'y avait personne. Il n'y avait qu'elle. Elle était seule. Enfin. Alors elle se lança et prit son envol. Une chanson.
Dans une contrée oubliée de tous, vivait autrefois un peuple doté d'une des magies les plus puissantes qui n'en eût jamais existé de telle. Ce peuple, les Arcadiens, était dirigé par la reine Cassia, la plus puissante des magiciennes. Arcandia se trouvait entre deux collines, entourée de roches et de sentiers étroits, là où nul ne tenterait de s'y aventurer. Pourtant, une fois les murs franchis, le décor était tout autre. Le soleil était étincelant, les murs, formés de roches, brillaient de mille éclats. Le sol était tapis d'arbres et de fleurs, qui prenaient vie lorsqu'on venait les chatouiller. Arcandia était une cité pure, où régnait paix et amour. Rien au monde n'aurait pu vous émerveiller plus que de voir les enfants jouer au milieu des forêts enchantées, danser au milieu des champs, ou chanter autour des lacs et des rivières. Tous remplis de ce qu'on appelle dans notre monde des animaux imaginaires. Rien, ni personne, n'aurait pu présager que dans l'ombre se préparait un terrible malheur. Arcandia puisait sa force à travers la lumière qui pénétrait ses murs. Nul ne connaissait l'obscurité, hormis au temps des jours sacrés. Jours durant lesquels les astres s'alignaient parfaitement avec le soleil, de manière à ne laisser aucune trace de lumière sur la cité. Cet événement se produisait une fois par an et ne durait que quelques secondes. Le temps, pour Arcandia, de remercier ce phénomène qui en régénérait la magie. Soir de jour sacré, alors que l'alignement des astres ne devait durer que le temps d'un enchantement, un étrange et irréversible phénomène se produisit. Les astres se figèrent et demeurèrent ainsi, plongeant Arcandia dans une obscurité totale. Le coupable n'était autre que le mage corrompu, un ancien magicien, autrefois le gardien de la cité des Arcadiens. Ce mage était l'un des fondateurs de la cité, et lui seul connaissait le sort qui avait permis à la lumière de toujours jaillir sur Arcandia. Seulement, avec autant de pouvoir, il avait fini par succomber à la folie et s'était rangé du côté des Mandragottes, peuple ennemi de la cité. Ce clan était régi par la peur, la douleur et la magie noire. Depuis la nuit des temps, les Mandragottes enviaient la magie des Arcadiens. Ils étaient avares du pouvoir que pourrait leur procurer cette magie, qui était pure et bien plus forte que la leur. Depuis, la cité d'Arcandia, privée de magie, demeure dans l'obscurité. Les Mandragottes ont pris possession de la tour de la reine Cassia et règnent sur la cité. Tout n'est que ruine et désolation. Quelques Arcadiens, dont la reine, survivent en se cachant, espérant que la prophétie se réalise enfin, laquelle prédisait un grand désastre, l'arrivée des Mandragottes un soir de jour sacré.
prophétie ne prévoyait pas juste un mauvais présage. Il était inscrit qu'une jeune enfant, au dos bossu, et dotée de pouvoirs encore plus purs que ceux de la cité, serait la clé pour redonner la lumière à Arcandia. Yeah.